une manière de mettre notre créativité à l'agenda, puisque le jeune compositeur du nom de plume de Eamon a présenté ici, ou enfin présente, un instrument virtuel du format Kontakt, fait à partir de ses propres enregistrements, qui peuvent paraître un peu loufoques, puisqu'il a utilisé, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une espèce de jouet en carton, à l'intérieur duquel il y a un spring, et c'est comme un tube, on peut chanter à l'intérieur, et ça crée ce timbre. Donc un timbre très caverneux, d'une certaine façon. Et donc, à l'aide de cet outil, de ce jouet, il a enregistré des échantillons de sa propre voix sur différents thèmes, différentes hauteurs, pour créer cette chorale éthérique, je dirais. Et on va chercher quand même un bon registre. Et on a sous l'écran la plupart des éléments qui correspondent ici, un bouton pour le reverb, attack release, donc pour une attaque assez douce, relâchement plus prononcé, un filtre ici, on a decay et sustain, donc tous des éléments qui appartiennent à peu près à toutes les plateformes ou tous les éléments de base de l'instrument virtuel. Après ça, il nous propose deux captations, on a celui-ci, Ethereum Ether Choir, et l'autre qu'on aura, c'est Whispers of the Damned. Chuchotement des damnés, disons. Ça sonne très, très près du vent. Sans savoir, on vous demande quelles sont les propriétés, les caractéristiques de ce timbre. Et généralement, on va dire, c'est quelque chose qui ressemble au vent, une captation extérieure, des choses comme ça. Et dans les deux cas, dans tous les cas, on a toujours l'accès à la molette ici de modulation pour varier un peu le niveau du timbre de l'instrument. Je reviens ici à la proposition précédente, le cœur. Donc, vous voyez qu'ici, on aura l'attaque un peu plus forte. Et comme dans tous les cas, dans tous les instruments Kontakt, on a toujours accès aux éléments qui ont été utiles pour construire l'instrument virtuel. Donc ici, quand je regarde dans l'enveloppe Eamon, donc dans la fabrication de son instrument virtuel, ici, on va retrouver le NKI pour le format lisible par Kontakt. Ici, les deux versions qu'on vient d'entendre. Et vous aurez ici, Ethereum, les samples, les échantillons. Si je regarde ici, vous l'entendrez bien, le jeu du tube en question. On entend bien que la voix est comme présentée, captée dans une espèce de petit tunnel en carton, le jouet en question. C'est toujours intéressant d'avoir accès aux éléments de base. Ça nous permet d'avoir effectivement une image plus claire. En ce qui concerne le Whisper of the des damnés, le chuchotement des damnés, il nous indique qu'il voulait se pratiquer à faire un peu le growl. Vous savez, les chœurs ou les chorales, ou enfin le jeu heavy metal de la voix. Là. On l'entend ici. Toujours à l'intérieur du tube. Il a réalisé donc 23 échantillons pour amener donc la confection ou la mise en œuvre de cet instrument virtuel. Je retourne ici à ce qu'on vient d'entendre avec les chuchotements des damnés. Je vais l'appeler comme ça, je trouve que ça lui va bien. Donc ici, on voit qu'au niveau du traitement, le vent est très fort. Je vais retirer un peu.
C'est un peu aussi hypnotique comme présentation à l'écran, ce jeu, effectivement, qui représente peut-être un peu la spirale du tube en carton, là, pour aller chercher vraiment une façon très focus, très précise d'un thème particulier. Donc, c'est une belle proposition pour mettre à l'épreuve, ou enfin à l'ingéniosité de notre créativité, ou enfin votre créativité, à savoir comment on pourrait utiliser un instrument de ce type. À quoi il pourrait nous servir, effectivement, comme maître de base, une atmosphère, un climat, une émotion. Je vous laisse un peu sur ces pensées et je vous remercie donc de votre écoute. Vous aurez tous les liens pour vous amener au téléchargement de cet instrument virtuel sur le site Piano Book. D'ici là, je vous remercie de votre écoute encore une fois et j'espère que vous aurez l'inspiration avec cette dernière proposition de Eamon qui s'appelle Aetherium, dans un premier cas avec le choir, la chorale et Whisper, le chuchotement des damnés. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne inspiration, c'est le cas de le dire. À bientôt. Au revoir.